Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci la star du jour qui est Sangoku. Salut Sangoku. Bonjour tout le monde. Et on a également Truckman qui est là. Salut à tous. Manu qui est là. Salut à tous. Et NK qui est avec nous également. Salut tout le monde. Et Sangoku, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'on a comme ce qu'on a pris comme type de véhicule. Parce que c'est quand même à toi qu'on doit ce genre de véhicule. Alors, nous avons ici une Ford Mustang, une Viper SRT10 édition Horizon, une BMW, je ne sais plus, je crois que c'est la M3. C'est ça, M3, oui. Nous avons le HSV, le pick-up, et la Nissan Silvia. Et ces 4-5 véhicules font partie du pack Formula Drift de FH4. Mais comme on ne peut pas y accéder actuellement, c'est pour ça que je me suis amusé à créer les décorations sur ces véhicules que nous avons ici. Donc du coup, j'ai pris en premier la Mustang parce que j'adore les américaines. Donc j'ai commencé par la Mustang, j'ai fait la Viper, ensuite j'ai fait la BM, ensuite j'ai fait la Silvia, il y a une autre Silvia aussi que je ferai voir tout à l'heure. Et j'ai terminé par le HSV. Nickel. Bah en tout cas, franchement, c'est un super boulot. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Parce Merci. Que quand on voit les détails, c'est hallucinant, quoi. Ah oui, c'est magnifique. C'est très très propre. Sachant que pour tous les détails que nous avons sur les véhicules, j'ai fait défiler la vidéo du parc Formula Drift que Tanten a diffusé au ralenti. M'a permis de faire de temps en temps des stops pour ensuite marquer les noms qui a été mis sur les livrets et qui m'a permis ainsi de les reproduire sur les voitures. Ah bah écoute, ouais. Franchement, un immense du beau boulot, quoi. C'est magnifique, ouais. Merci, absolument super. On va quand on voit sur la ouais. quand on voit sur la Holden celle que tu as, le chien robot, je trouve que c'est impressionnant. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, c'est clair. Franchement, c'est vraiment super. C'est vraiment super. On va. Tant qu'à faire, si on a déjà quelques bagnoles de drift, si on les faisait un petit peu justement drifter. Enfin, je parle plus pour vous que pour moi, parce que tout le monde, les abonnés connaissent mon level en termes de drift, alors. je vais pas. Oui, bah, c'est pareil, je suis pas très professionnel. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça va donner en tout cas. On va essayer d'en profiter un petit peu justement de ces bagnoles, du championnat Formula Drift. Et on devrait avoir accès à des réglages vraiment, vraiment pointus à ce niveau-là et pour avoir vraiment des bagnoles, des vraies bagnoles de drift. Donc ceux qui n'ont pas encore précommandé le jeu, bah, il faudra pas tarder à le faire. Pardon. Pour pouvoir y avoir accès et avoir accès à ces véhicules. Alors c'est pas les véhicules qu'on a, ce sont vraiment des véhicules réglés pour le drift. Là on les a juste réglés au plus près pour justement pouvoir drifter. Mais dans FH4 c'est vraiment d'origine, elles seront réglées pour ça, quoi. Donc ça risque d'être plutôt stylé, quoi. Ah voilà encore donc une nouvelle. Encore une autre bagnole qui fait partie du Formula Drift. Ça, c'est aussi une de tes créations, Sangoku. Toutes les créations que je fais sont toutes partagées. Donc vous pouvez toutes les récupérer si vous avez envie. Elles sont disponibles. C'est accessible. C'est accessible. Vous avez le gamer tag d'Obstacle Sangoku. Voilà, comme ça vous savez comment ça s'écrit. Mais je drift. Bon les gars, un maximum de pouces bleus pour Mangalore qui drift. Qui drift, ouais. Je vais pouvoir faire les ventes de drift que j'ai pas encore terminé. Ah, mais c'est formidable. Du créateur du pack du pack Day One James Bond, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'attends toujours le chèque de Microsoft, hein, pour la création de ce pack, hein. J'ai pas encore une nouvelle. Hein. Ils m'ont pas encore réglé. Chaque sponsor là, c'est à chaque fois un sticker ce que t'appliques, quoi. C'est ça. Wow, bon. Ah ouais, effectivement. Eh ben. Ah ouais, t'y passes un peu de temps, quoi. Hein. Oui, trop de stickers. Trop de temps. Plus de temps que d'autres voitures.
Et tu m'étonnes. Et on a NK qui nous a pris une Aston. Une Aston Vanquish que j'ai fait en édition Angleterre. Oui, et Manu nous a sorti une création qu'il m'a demandé de lui faire et que je lui ai reconnu. Police Nationale Gumbo 3000. Hooligan. Enfin, il y a tellement de trucs dessus que bon, voilà. C'est les flics sont sponsorisés maintenant, je savais pas ça. Oh ouais, les camions. Moi j'ai hâte de découvrir la map en camion. Mais quand tu parles de camion, tu parles de camion, tu parles de quoi? Tu parles de l'Unimog ou tu parles du Volvo et de l'autre Mercedes? Le tout. D'accord, ok. Truckman aussi, je suppose, non? Un petit tour en camion sur la vague. Ah oui, hein? Ah bah oui, je les attends. Vivement. J'espère qu'on pourrait y accrocher une remorque, tiens, j'aimerais bien ce genre de truc, ça pourrait être un petit désir sympa, quoi. Alors, ma voiture, c'est la Shelby GT500, en livrée Rockstar. La Fiat 500 de Manu, alors je sais pas pour les plus c'est, jeunes. C'est la SS. En fait, il y a eu, pendant une époque, il y a eu des livrées de tuning qui s'appelaient ADDX. Et ce livre de tuning ADDX a produit une voiture unique, une peinture unique, je veux dire, sur la Fiat 500 qu'on retrouve ici. Pour la Ford Fiesta, c'est juste un petit délire que j'ai aimé de faire ça sur une Ford Fiesta qu'on trouve très rarement en jeu, des Ford Fiesta multijoueur. Excellent. T'as vu ou pas? Ouais, ouais, je vois, ouais, nickel, ah, ouais, oui. Je suis plein cadre sur toi, donc ouais, ouais. Donc là, t'es rabaissé, en bas, hop, oh là 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 là. Mais c'est génial. C'est assez marrant, avec ces voitures-là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Sachant que je sais pas si tout le monde a vu la vidéo, je sais pas non plus pour ceux qui vont regarder la vidéo actuellement, Mangaor a fait une vidéo qui présentait des voitures de James Bond. Et dans une des voitures de James Bond, Mangaor a présenté un jouet de James Bond. Et j'ai aussi ce jouet étant enfant. J'ai reproduit les dessins qu'il y avait sur ce jouet, sur la Lotus Esprit VI, qui est un livret qui est partagé, que vous pouvez télécharger. Ah ouais, non mais ça c'est vrai que c'était pas mal, je l'avais pris hier soir en live. Ah oui, j'en avais une aussi. Alors j'ai fait aussi, en hommage à Avicii, j'ai fait un livret sur la Volvo V60, c'est la Volvo Break, que j'ai fait un livret en hommage à Avicii, le DJ qui est décédé cette année. Et j'ai fait aussi un livret par rapport au DJ David Guetta et Chauvetech. Ils ont une jaquette de CD, ils ont... la Porsche 911 3.3 qui est rose avec des dessins un peu sur la voiture que j'ai reproduit aussi. En tout cas, franchement, là, les Welcome to the Horizon Festival, ils sont superbes. Ouais, ils sont magnifiques. C'est très très joli. Alors, c'est là, justement, parce que je crois qu'elle a une sacrée histoire. Alors, en fait, c'est par le biais d'un ami qui est Paul Walker dans le jeu, je sais plus combien le nom. Il m'a dit qu'il était graffeur à Monaco et il avait besoin d'une voiture, enfin d'un livret pour une voiture pour un client. Et du coup, il m'a demandé sur Forza de reproduire sur la Nissan GT-R un livret. Il m'avait présenté deux voitures, il m'avait présenté une Ferrari camouflage qui appartient à quelqu'un qui est assez célèbre qu'on voit sur YouTube, qui présente des voitures. Et ensuite, on voyait aussi une autre Nissan GT-R, mais en couleur militaire, comme ça. Et donc, du coup, il m'a demandé un système de mi-camouflage et mi-militaire, et ça reprend un peu sur les deux. Et du coup, ce livret devrait être reproduit pour un client. Il attend toujours actuellement, parce que j'ai eu dernièrement des contacts avec Paul Walker du Gamertag. Et donc du coup, il m'a dit qu'actuellement, il attend le retour de son client. Ils lui ont proposé des prix, ils lui ont proposé des délais. Et il attend toujours le retour du client, mais ça devrait peut-être se faire. Et pour la Sesto Elemento, ça a été une commande qui a été faite aussi pour un des amis Discord. Et donc du coup, ben, je lui ai reproduit
comme il a voulu, mais il demandait un effet rouge, mais plus clair que le rouge qu'on connaît. Et en gardant tout le rouge qu'on trouve sur la Sesto Elemento d'origine. Voilà. Et sachant qu'à la Sesto Elemento, j'en ai fait aussi une en édition Gumball 3000 qui a été faite pour Mangalore. Qui est aussi partagée, aussi, que vous pouvez aussi télécharger. Et ensuite, bah, le Macan et la Lancia. Ces deux créations, Welcome to the Horizon Festival, j'ai eu une petite coup de pouce par Mangalore qui m'en avait présenté deux trois petites images sur d'autres véhicules sur Discord, et du coup je me suis inspiré de cette idée en changeant un peu les couleurs pour éviter que ça reprenne un peu la même chose, mais voilà, en façon à refaire sur des voitures que j'aime beaucoup, le Macan et la Lancia. Et est-ce que, juste pour finir, je peux faire un petit coup de pub sur une voiture? Ah mais avec grand plaisir. Alors... voilà. Ah, je m'attendais pas à ça. Alors, tu nous as sorti La Véron. La pub YouTube, Facebook, Xbox et Discord. Twitter et Twitch. Excellent. Avec le logo du groupe Mangalore. Excellent. Et ensuite dessus, évidemment, la petite phrase qu'on doit tous retenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Merci. Un petit merci, histoire d'être poli. Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment, évidemment. Voilà. Bah moi, j'ai rien à rajouter là-dessus, quoi. Mangalore. J'ai rien à rajouter là-dessus, quoi. C'est juste excellent. Elle est magnifique, cette Bugatti. Clairement, c'est... Sachant que j'ai fait la même chose sur le Ford Transit. Oui, c'est vrai. Alors, le Ford Transit, c'est vrai, j'avais souvenir. L'Aveyron, c'est vrai que je l'avais oublié, celle-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour... L'Aveyron, je l'ai faite aussi sur l'Aveyron, parce que dans une vidéo, j'avais retenu que tu aimais beaucoup la Bugatti... Enfin, le groupe Veyron. Bugatti, je veux dire. Ouais. Parce que c'est proche de chez toi. Exact. Et donc du coup, pour te faire plaisir, et que ça me fait plaisir aussi de faire tout ça pour nous, j'ai fait les pubs. Eh ben c'est vraiment exceptionnel. De toute façon, qu'il reste à rajouter dessus, que je vais sûrement faire, Mixer aussi. Ah ben Mixer va... Oui, il va falloir le mettre, Mixer, parce qu'on va en avoir besoin de Mixer dans Forza Horizon 4. Donc ça va être nécessaire, ça, clairement, j'en dis pas plus. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus pour présenter les créations de ce Goku. Merci à vous, les amis, merci à toi, Mangalore. Merci à toi, aussi. Merci à toi. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de partager ça avec vous tous. Et n'hésitez pas, hein, comme dit, vous avez de toute façon tous les pseudos qui sont visibles. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, parce qu'on est tous sur Discord. N'hésitez pas, si vous voulez télécharger les créations de Sangoku, vous avez son gamer tag. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour récupérer les différentes créations. Et puis s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, il y a la zone commentaire sous la vidéo. C'est fait pour ça, c'est fait pour échanger à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit like, comme c'est marqué sur l'Aveyron, un petit like, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures, d'autres partages. Et puis en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, à ciao !